Rentrée scolaire 2023-2024 effective sur toute l'étendue du territoire national, focus sur les Kassai. Depuis Mweka, où il séjourne en mission officielle, Antoine Bouchaboubopé, ministre provincial de l'éducation, tourisme et promotion culturelle, est descendu sur terrain. Question pour lui de se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours pour l'édition 2023-2024 qui a débuté le 4 septembre 2023 sur toute l'étendue de la RDC. Du lycée Tabalaï, en passant par Imeni 1 et 3, lycée technique Kakenye, poursuivi par l'Institut technique social de Mweka ITES, puis les campus scolaires Amis du Savoir. Le patron de l'OPST Kassai s'est dit satisfait du travail abattu par ses administrés, à qui il a adressé ses encouragements pour maintenir l'élan de la réussite, tout en félicitant les responsables des écoles humanitaires pour les bons résultats obtenus aux examens d'État de l'édition 2022-2023. L'abbé Antoine Lundula Kading, coordinateur de 16 ans des écoles conventionnées catholiques, a dit sa satisfaction de voir les ministres provinciaux de l'éducation sur le terrain pour palper du doigt certaines réalités qui est dans son sous-secteur. Quelques remarques et recommandations ont été formulées à l'endroit de quelques chefs d'établissement qui n'étaient pas en règle avec les différents documents administratifs. C'est par ici, par une causerie en famille, que s'est clôturée cette séance du travail. Parole écrite Gustave Kabeya.